Good morning, Alaïda, et ce soir aujourd'hui, le Nishmat David Ben Fortuna Mazal Fritna, Lucienne Batreina et Sol Vanish le Bet Tarab. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah consacrée à 5 minutes éternelles, nous étudions Maseret Nazir, Perek Bet, Mishnah. Hey! Areini Nazir, Vealai le Galeach, Nazir, Veshamar Havero, Veamar, Vaani, Vealai le Galeach, Nazir. Im Ayu Pikrim, Megalechim, Ze Edze, Veim Lav, Megalchim Nezirim Acherim. On va commencer à traduire la Mishnah, Mishnah très simple. D'ailleurs, on a la prochaine Mishnah, ça va être ces deux Mishnah qui vont ensemble en fait. Je commence à traduire. Areni Nazir, je prends sur moi un vœu de Nezirut. Ve'alai le Galeach Nazir. Et en plus, je prends sur moi de raser un Nazir. Expression un petit peu bizarre, mais en fait, c'est une manière de dire d'être responsable, d'apporter, d'assurer les corbanotes d'un autre nazir. Soit, en deux mots, je vais aller au Beth Amikdash, je vais voir là-bas, dès qu'il va y avoir un nazir qui va vouloir apporter ce corbanote, je lui dis, attends, moi je te paye tous les corbanotes de ta nazirut, il y a trois corbanotes, un sham, un khatat, un shlamim, et, non, je sais plus, la shlamim, c'est non, un nazir normal, et en tout cas, les trois corbanotes, c'est sur mon compte, c'est moi qui les paye, ça c'est ce que ça veut dire, ve alai le galeach nazir, d'accord? Donc, Areni Nazir, je prends sur moi d'être un Nazir. Ve Alai le Galeach Nazir, je prends aussi sur moi de raser un Nazir. Ve Shama Chavero, il y avait mon ami qui était à côté de moi, il a dit quoi? Ve Ani, il a dit l'autre, Ve Amar, Ve Ani, et moi aussi. Ve Alai le Galeach Nazir aussi, je prends sur moi aussi de raser aussi un Nazir. Genre, tout ce que moi j'ai dit, il dit la même chose. Idem, en deux mots. Alors quoi? Imayu Pikrim. S'ils étaient intelligents, c'est-à-dire futés, dans le sens où ils ne veulent pas dépenser trop d'argent, eh bien, Megalchim, Zedze, ils pourront, un, apporter les corbanotes de l'autre, Veimlav, et sinon, s'ils n'ont pas été assez futés pour bien économiser leur argent, eh bien, dans ce cas-là, Megalchim, Nezirim, Acherim, ils devront raser d'autres Nezirim. Vous avez bien compris, la Mishnah est très simple. Donc, je prends sur moi un vœu de faire deux choses, de prendre sur moi une Nezirut, donc 30 jours, et moi j'apporte mes corbanotes, et en plus de ça, je prends sur moi aussi que je vais financer les corbanotes d'un autre nazir. Mon ami m'entend et répète la même chose. Lui aussi prend sur lui d'être un nazir, et en plus de financer les corbanotes d'un nazir, ben en l'occurrence, moi je suis un nazir, donc il peut financer mes corbanotes. Lui c'est un nazir, je peux financer ses corbanotes. Dans ce cas-là, on va tout simplement, c'est pas la peine de, au final, de payer entre nous 4 corbanotes de nazir, les miens plus celui d'un étranger, et les siens plus celui d'un étranger. Mais lui, il peut payer uniquement, il n'a pas d'obligation de payer les siens en fait. Même si j'ai pris sûrement un vœu de Nezirut, et qu'il y a quelqu'un qui veut me payer mes frais de corbanote, il peut aussi les payer. Et de ce fait, en fait, ils peuvent tout simplement, moi je paye les tiens, toi tu payes les miens. Et la Mishnah, elle est concrètement finie, quoi. Si ce n'est que je veux vous préparer quand même un petit détail qui sera utile par rapport à la Mishnah prochaine, si déjà on a un cours qui fait, je ne sais pas, dans 2 minutes, pas plus, 3 minutes. Donc, si déjà, si vous faites attention, le deuxième, quand il a dit « et moi aussi », il ne s'est pas content de dire « et moi aussi ». Il a eu la nécessité, il était nécessaire de dire « et moi aussi, et je prends sur moi de financer les corbanotes d'un nazir ». Parce que si il avait dit juste le mot, c'est une manière générale, ça, quand moi, je prends sur moi deux choses. Je fais le vœu de devenir un nazir, et je fais le vœu, en plus, de donner 1000 shekels à la Beth Knesset. Et quelqu'un est à côté de moi et dit, et moi aussi. Moi aussi, c'est surtout sur la première partie de ma phrase, la deuxième partie de ma phrase. Concrètement, la Mishnah, la Gemara rallonge, et sur la note Mishnah nous dit que dans ce cas-là, si il y avait quelqu'un qui me dit, et moi aussi je vais être comme toi. C'est ce que ça veut dire, moi aussi je vais être comme toi. Donc il aurait pris sur lui que le vœu de Nezirut et pas le vœu de financer les corbanotes d'un nazir. C'est pour ça que le deuxième, il a eu besoin de dire, ve alai le galeach nazir. D'accord? Et un autre petit chidouche aussi qui est précisé aussi dans le Mifarchim, c'est qu'en fait, le premier, il y a le chidouche de la Mishnah, il me dit en fait comme ça, le premier qui a prononcé le vœu d'apporter le corbanot d'un nazir, on aurait pu croire qu'il doit apporter le corbanot d'un nazir, en ce moment, qui est quelqu'un qui est déjà nazir, mais quelqu'un qui va devenir nazir plus tard, en l'occurrence, l'ami qui va lui aussi prendre un peu de nazirout quelques minutes après, puisqu'il va dire Vani, 30 secondes après, ça changera, on aurait pu croire que je ne pourrais pas financer ces corbanot. Et la Mishnah m'apprend qu'effectivement, je peux quand même financer les corbanotes. Mon devoir, c'est juste d'apporter les corbanotes d'un nazir, peu importe s'il va devenir nazir ensuite, avant, ça change pas de problème. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine d'Atzlacha, tout, et c'est là.